fait des crêpes. Au revoir, Zou. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Maman! Mamie! Bonjour, papy. Où sont maman et mamie? Elles sont sorties pour la journée. Pourquoi? Oh, je voulais faire un gâteau. On doit les vendre à l'école pour payer notre sortie scolaire. Si j'en apporte pas, je ne pourrai pas y aller. Oh, bien dans ce cas, on ferait mieux de se mettre au travail. Ça ne doit pas être bien compliqué. Tu en es sûr, papy? Oui, oui, ça va être du gâteau. Super, merci, papy. La seule chose qu'il nous faut, c'est une recette. Quelle sorte de gâteau veux-tu faire? Un gâteau chocolat-banane. Mais Zou, n'oublie pas que c'est pour le vendre à l'école, pas pour le manger. On a l'air de vrais cuisiniers comme ça. gâteau. Ah, voilà, gâteau au chocolat et à la banane. Alors, on a besoin de beurre, d'œufs, de lait, on a ça dans le réfrigérateur, et de bananes. Et aussi de la farine, du sucre, du chocolat. Où allons-nous trouver tout ça? Laisse-moi faire, papy. Voilà le chocolat. La farine doit être dans l'une de ces boîtes. J'ai trouvé la farine. Bravo, Zou. Tout ce qui nous manque à présent, c'est le sucre. Oh, tu sais où il est? Je pense qu'il est dans une boîte, quelque part par là. Oui, c'est ça, dans le placard. Trouvé. Bravo, Zou. Tu es très fort pour trouver les ingrédients. Je sais. Oh, d'accord. On nettoiera ça quand on aura terminé. Bon, maintenant, mesurons nos ingrédients. Et maintenant, on n'a plus qu'à tout mélanger. Oh, mais... Oh là là, attention! Hein? Oh. Et maintenant, donc, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On fait un gâteau au chocolat et à la banane pour la vente de l'école. Tu veux nous aider? Oh, mais oui, avec plaisir! J'aime la banane, oh, y a pas d'os dedans. J'aime la banane parce qu'il n'y a pas d'os dedans. C'est vraiment très salé. Mais on n'a pas mis de sel pourtant. Mais si, j'ai bien peur que si. Oh non, c'est le paquet de sel, pas de sucre. Ah, désolée, mais je ne savais pas dans quelle boîte était le sucre. Ce n'est pas grave, mon chéri, on va recommencer la recette. Et si on faisait des crêpes à la place? Mais je croyais que c'était censé être une vente de gâteaux. C'est vrai, mais les crêpes, ça a l'air facile à faire quand mamie et maman les préparent. Et puis, c'est tellement bon. Bon, alors c'est parti. On va faire des crêpes. Nous y voilà, les crêpes. Il est écrit qu'on a besoin de farine, de sucre, de beurre, de lait, d'œufs et d'une pincée de sel. Cette fois-ci, ça devrait être du gâteau. Oh, il n'y a plus d'œufs. On les a tous utilisés. Il faut aller chez Monsieur Zoé. Vous avez fait une bataille de farine? Ce n'est pas bien de jouer avec la nourriture, vous savez. Mais non, nous n'étions pas en train de jouer. On a fait de la pâtisserie. Ah, pour la vente de l'école, c'est ça? Oui, mais il nous manque des œufs. Je suis désolé, Zou, je n'en ai plus un seul. Tes amis sont tous passés en acheter pour leur gâteau. Oh non, sans œufs, pas de pâtisserie. Et donc, pas de sortie scolaire pour moi. Oh. Papa! Papa! Oh, bonjour, Zou. Regarde, papa, nos poules viennent de pondre leurs premiers œufs. Oh là là, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous allez être les premiers à goûter les œufs de nos poules. 3, ça suffira? On en a justement besoin de 3 pour faire nos crêpes. Et voilà, 3 petits œufs tout frais pour faire de bonnes crêpes. Merci beaucoup, beaucoup, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonne crêpe.
Oh, je crois que ce bol est trop petit. Celui-ci, ça irait? Ah, parfait, Zou. On a dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais peut-être que si j'essaie de mélanger la pâte très fort... Oh non, il reste encore des grumeaux. Hé, on pourrait les retirer à l'aide d'une passoire. Très bonne idée, Zou. Et voilà, il n'y a plus de grumeaux. Une excellente idée. Et maintenant, nous allons cuire les crêpes. Oui, ça a l'air rigolo de faire sauter les crêpes. Hop. Oh. Ah, je pense qu'on a mis trop de pâte dans la poêle. Voilà, on a réussi à faire sauter 3 crêpes et ce n'est pas une grande réussite. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air aussi bonnes que quand c'est mamie qui les fait. Et si on les recouvrait de sauce au caramel? Je suis sûre qu'elles auraient l'air meilleures. Encore une idée de génie de Zou le super cuistot en culotte courte. Je suis sûre que ça va être délicieux. Mais ne t'approche pas trop, il ne faudrait pas que tu te brûles. Ça sent bon. La poêle est tellement chaude que ça continue à cuire. Vite, mets-la dans l'évier. Oh. Oh non, le caramel est collé à la poêle. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, cette poêle est fichue. Je sens que mamie ne va pas être très contente quand elle verra ce qu'on a fait à sa poêle. Oh, j'aurais aimé que maman et mamie soient là pour nous aider. Vous aider à faire quoi? Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une catastrophe! Désolée, maman. Désolée, mamie. J'ai voulu préparer quelque chose pour la vente de gâteaux de l'école, mais tout est allé de travers. Et maintenant, il ne nous reste plus d'ingrédients. Et on n'a plus de poêle, et je ne vais pas pouvoir aller à la sortie scolaire. Oh, ne t'inquiète pas, Zou. Mamie et moi, on a fait des courses et on a tout ce qu'il faut pour préparer des crêpes. Mais... et la poêle? Oh! Ma poêle à frire? Heureusement que ta mamie a une poêle de secours rangée ici. Hourra! Alors faisons des crêpes! Non, 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 pas avant que vous ayez nettoyé tout ce bazar. Les vrais cuisiniers travaillent toujours dans une cuisine impeccable et bien rangée. Merci, Zou. Mais je n'ai pas besoin de ça. Tu sais, depuis le temps que je fais des crêpes, je connais la recette par cœur. N'oublie pas de tamiser la farine. Comme tu es malin, Zou. Si on tamise la farine, on n'a pas de grumeaux. Et maintenant, tu creuses un puits dans la farine. C'est exact. Le secret, c'est de mélanger les ingrédients tout doucement au départ. Et ensuite, un petit peu plus vite. Puis encore plus vite, puis encore plus vite. Oh, alors c'est pour ça qu'on avait tous ces grumeaux tout à l'heure. À ton tour, Zou. Je ne vais pas y arriver. J'en ai pas encore réussi une seule. Pour l'instant, mais ne t'inquiète pas. Si tu t'entraînes, tu y arriveras. J'ai réussi. Papi, papa, vous avez vu? Tu vois, mon chéri, on dirait que tu vas pouvoir aller à ta sortie scolaire, finalement. Il faut espérer que les crêpes comptent comme un gâteau. Ben, en les voyant empilées comme ça, elles ressemblent à un gros gâteau. Oui, un gâteau de crêpes. On a seulement besoin de le décorer. Hein? Bravo, c'est très bien, mon Zou. Finalement, ce n'est pas si difficile que ça, la cuisine. Hein, Zou? Oh! Comme tu disais, papy, c'est du gâteau.